Salut YouTube, comment vas-tu? On se retrouve pour notre aventure sur Elden Ring en compagnie de Borisette, voilà, qui s'est fait bolos, qui s'est fait détruire par une main. Et donc, c'est l'heure de la revanche. Hop, on connaît maintenant, on sait ce qu'on fait. Hop, c'est par ici. Hop là, on saute, on se foire, c'est pas grave. On a de l'endu, on est des boss. Là, cette main-là, hop, voilà, tu m'auras pas toi. Va chier, va chier, va chier. Là, il y a des rats qui font chier aussi. Allez, chier tous, tous. Oh, toi, non. Oh, non, non, on commence pas à me mettre des coups gratos là. C'était par là, hein. Par là qu'on s'était fait détruire. Donc là, attention, embuscade, mes couilles. Hop, on attire. Voilà. Ah non, ils vont tomber. Non, ils tombent pas tout de suite, il faut la trigger. Ok, ben on va la trigger. Est-ce qu'il tombe? Non, pas encore. Oh, ok. Alors. Comme elle m'a un peu vénère. Voilà, déjà. On passe à deux mains. On lui met un coup, mais il met un coup. On soigne direct. On perd pas de temps. On se met derrière. On l'agresse. Et on la tue. Voilà. Revanche. Merci. Oh, vous allez pas me saouler non plus. Cassez-vous. Merci. Oh, d'autres mains? Non. Merci. Merci beaucoup. Là, il vient me dire. Ouais, mûri du soir, mes couilles. Voilà. En cruel de quoi? J'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps. Ok, donc tout ça pour ça. Y a rien d'autre. Ouf, j'allais péter un plomb. Là, il va me dire mur illusoire, il n'y a que dalle. Là, il va me dire aussi la même chose. On a 90. On n'ira pas au 100. On n'ira pas encore au 100. Peut-être dans 12 épisodes. Mais pas maintenant. Je refuse. Là, il n'y a rien. C'est bon. Là, il y a un putain de truc quelque part là, mais je sais pas. Popo. Ici, on y a été? Oui, on y a été. Y'a que dalle. Toi, tu meurs. Ah, c'était vous deux là. Et là. Voilà. Je l'ai raté, mais je l'ai eu. Je l'ai raté, mais je l'ai eu. Oh merde. Ah! Putain, gros cul! Putain! Je devais énerver, Borisette, là, elle est énervée, putain! La cul, Borisette! Oh, ça. Sans la baise, là aussi, non? Non, même pas. Ça sent bon ici. Ok, et du coup ça m'amène où? Parce qu'en fait il faut, voilà, il faut se faire une carte mentale des lieux pour essayer de se repérer et savoir où est-ce qu'on est. J'ai entendu un tir là. D'accord, on arrive là. On arrive derrière lui. Ok, donc on a fait tout ça. Sans avoir une foutre couille d'idée où faut aller. Moi j'ai envie de croire qu'on peut monter sur le dragon. Oh merde. Oh putain. Oh putain. Tu m'as pas vu. Hein. Non, t'as rien vu. Bon. Ouais, il a rien vu. Ouais, il a peut-être vu un petit peu quand même. Ouais, vite fait, il a vu vite fait. Oh.
Du granit. Ah, mais c'est là, du coup. Mais attendez. Nous, on veut aller là-bas. Donc, il faut passer par là. Au toyau. Oh. Un arc runique. C'est bien, on récupère un des deux qu'on a utilisé. La radinerie, ici, toujours présente. Avançons délicatement et prudemment. Parce qu'il y a un ennemi là. Il y en a peut-être un deuxième à côté. Tu veux me dire qu'il est tout seul là? S'il est tout seul, il est gratuit. Eh bien, il est gratuit. Pas du granit. Alors, nous, notre objectif, c'est la lance là-bas. Hein, la pointe de la lance qui est voilà, juste là, au-dessus. La grosse lance, là qu'on... Donc ça, c'est notre objectif. Et là, je verrai bien... Wow! Il y avait les messages, mais je l'ai pas vu. Attention gauche. Voilà. On prévient, on est sympa. Il y a peut-être des messages, mais moi je veux que mon message soit vu. Comme ça j'ai du buff. Donc voilà. J'ai le droit d'être sympa. Oh! Oh lui, il est beau! Oh il est beau! Oh par contre. Ça sent le fion là. Sans le fion. Est-ce que j'ai pas un niveau à prendre là? Si, on a bien un niveau à prendre. Allez, on va se mettre plus de PV. Monter de niveau. Oh, ou plus de force encore. Toujours plus de force. Allez, plus de force. Voilà. Toi, je t'ai vu. Ça mène où ? Essayez droite et donc regardez bien. Oh. Je sais bien, je peux les backstab aussi. Allez, les couilles. Ça, c'est... Et ça, c'est le... Ça serait pas le... Ça serait-il pas le levier de ouf, là? Non, ça m'ouvre la porte. Alors ça m'a ouvert la porte. Et c'est la porte pour... Ah, pour la suite. Et oui, puis là-dedans, j'aurai l'invocation à tabasser. Ok. Oh, bien ça. Les choses ici. Il y a des choses aussi. Ok. Oh non. Ah non, ça non. Je suis pas prêt pour une gargouille. On a déjà été bloqué par une gargouille tout à l'heure. Enfin, la dernière fois, là, on n'avait pas le niveau. Il y a un truc, là. Épécane. Oh. L'épécane. C'est pas aussi dans Bloodborne. Donc notre objectif, il est là. Mais on a ça. Ah, oh putain, comment faire? Est-ce que je veux bien, moi? Est-ce que je... Hehehehe
Tu n'as rien vu. Salut. Et là, ça m'amène au pont qui était brisé. Ok. Et là, je vais où? Oh, je vais vers cette chose-là. Il a l'air d'avoir des gros monstres encore, gros mobs. Monstres peut-être pas, mais très des gros. Et toi? Viens m'affronter. Ouais, attends. Pas de risque. Ma vie. Ah, ma vie. Ma vie. Ma vie. Culé. Il était énervé. Je suis désolé. Mais tu m'as énervé aussi. Le choix que de te tuer. Oh, le gros arbre. Ah mais là on se rapproche de l'arbre en fait. Je peux aller par là. Tout à l'heure, on n'a pas notre cheval aussi, hein. Ça me manque. Hein. Et vous? Ok, écoutez. Je sais jamais, hein, ils pourraient être là, violents et m'attaquer, alors je ne veux pas prendre de risques. Bon, on s'éloigne quand même de cette grosse lance, nous notre but c'est d'aller là-bas. Je sais toujours pas comment y aller, ça me broute un petit peu. Donc voilà, on tente des choses. Il n'y a rien ici en plus, qu'est-ce que je branle ici? Oh non, pas encore. Bon, ok. Oh, lui, il a deux marteaux. Est-ce que je peux le backstab? Oui, je peux. C'est déjà ça. Oh, ça se passe pas pareil là, mec, hein. Le talisman du bouclier rituel. Qu'est-ce à dire que ceci? Là. Non. Il est où? Ah, c'est un talisman. Je l'ai perdu. Il est où? Il est là. Je suis aveugle. Augmente la défense quand vos PV sont au maximum. Oui, bah. On va être souvent au maximum. Admirer porte. Merci. Ah, l'utilité des gens quand même. Bon. J'imagine qu'en fait, il n'y avait que ça à faire. Déjà pas mal.
Alors on peut monter, hein, j'ai l'impression là sur l'arbre, mais... Mais par où? Là on revient là. Ah, donc c'est ici. On a eu un peu mal. Hein. En vrai, ça va. La Borisette, la bourrine. Borisette n'a pas le temps. C'est là-bas. Parce que ici, je ne peux pas faire grand-chose. Ok. Hop, on nettoie. Moi, les hommes sapins, là, ça me saoule. Fusil. J'allais dire, ils ont l'air de rien n'avoir rien à faire, mais. Pas vraiment. 2000 âmes, hein, quand même. Alors attendez, moi je veux une grâce là quelque part. Mettez-moi une grâce. De grâce, mettez-moi une grâce. Là non. Pas du tout. Quoi? C'était pas prévu? Oh, saligo! C'était tellement pas prévu! On l'a mis midlife. Hein. L'effigie de Marika. L'effigie de Marika nous ramène. J'ai pas envie de me retaper toute la racine et tout. Hein. Ah, on réapparaît pile devant. Alors par contre ça c'est bien. J'ai que 18 000 âmes. C'est 8 mobs comme ça donc... En fait... Donc je suis obligé d'aller le taper. Merde. Merde, merde, merde. Ok. On va se mettre ça. Voilà. On va traverser le brouillard. Allez-y, mes dogos. T'en es là, gros?
Je me soigne. Les gars. Regardez ce qu'il lui reste en PV. Pétez un plomb, gros. Pétez un plomb. Ça va, j'ai quand même plus ou moins compris son pattern. Putain, attendez, j'ai pas mis les morts. On est à 92. Ça se rapproche quand même. Regardez-le, on le voit là-bas, ce tarba. Ok. Ah, déjà, je me trompe. En fait, c'est génial. Alors Godfrey là. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Godfrey prend sa coche à talisman. Je peux mettre un talisman en plus? Attendez. Équipement. Oh oui. Alors, Godfrey. Accélérer la récupération d'endurance avec le stuff qu'on a, ça serait pas trop mal. Augmente grandement l'immunité et la focalisation. Augmente la focalisation. Ouais, augmente l'attaque sacrée. Non. Ça, en vrai, c'est pas mal, ça. Quand on fait des coups critiques. Hein. Soit ça, ou alors ça. On va mettre ça. On va prendre le feu. Bon, du coup, c'est bon. En 3 tries. C'est pas mal. Je pense qu'on est quand même un bon niveau. Est-ce que je peux prendre un niveau? Ah oui. Ah oui, 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 je peux même deux. Deux niveaux. Hop, voilà. Voilà. Là, 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 là. Ennemi fort, toujours pas, non. Ah les mecs. Menteur droit devant, j'y crois pas du tout là, du coup, je n'irai pas. Vous ne m'aurez pas, monsieur. Et nous, notre objectif, du coup, c'est d'aller ici, hein, la porte. Oh, regardez-moi ça. C'est beau. Ça, je vais m'en servir pour les miniatures. Alors, je peux aller là-bas. Ça a l'air d'être une suite, là-bas. On va juste check. Parce que si c'est une suite, là, je peux mourir aussi, là. Donc, on va pas aller là. Là aussi, hein, c'est la mort. Bonjour. Pierre de forge sombre 5. Non, mais je verrai un message. Hein, on est d'accord. Ouais, ouais, je verrai un message. Bah, en tout cas, sympathique ce boss. J'aime beaucoup, moi.
Là, j'arrive ici. Et j'ai ça. On descend. Ah, mais là, on se rapproche de l'objet du coup. Ah oui, c'est bon, c'est là. Seule la régression peut révéler les secrets. Sympa. Hein. Putain, Aladdin, dans ta gueule, Aladdin. De la graisse au sacré. Pourquoi il a fui ? Oh non. Oula lui. Non. Je ne suis pas venu ici pour souffrir! Je l'ai eu quand même. Mais je ne suis pas venu ici pour souffrir, monsieur. Faut arrêter. Il y a plein de taches de sang là. Ah, c'est des taches de sang. Alors. Voilà. Carreau de grand sac. Donc ça, c'est une arme légendaire, hein, ça. Sanctuaire de l'arbre. C'est là que je dois aller. Ouais. Ok, donc on a eu une arme légendaire. Donc ça, c'est pas mal. Putain. Alors, voyons voir. C'est celle-là. Lance sculptée à partir de l'arme que maniait Grand Saxe fait partie des armes légendaires. Grand Saxe était un dragon ancien qui dévasta jadis la capitale royale de Leyndell. Cet assaut vit tomber les remparts de Leyndell pour la première et dernière fois de toute l'histoire. Et ainsi débuta la guerre contre les dragons. Compétence unique, lance du dragon ancien. Vous imprégnez votre arme de la foudre rouge des dragons antiques, puis la projetez telle une lance.
Charger la compétence pour en accroître la puissance. Ok. Il me faut 40 en dextérité. Ça n'a qu'un scaling D. Bon, après, elle n'est pas améliorée. Dégâts de la foudre. Mais 42 dex. Hein. C'est assez énervé. Bon, au moins, on l'a eu. On a eu ce qu'on voulait. Donc ça, c'est très très bien. Ici, on pouvait aller voir. Hein. J'avais pas trop confiance en lui. Je peux monter ici. Oh là là, on n'est pas très loin de l'arbre. Hein. Il n'y a absolument rien. Ah, c'est les mamies. Les mamies sans yeux. Elles sont toutes mortes. Alors attendez, parce que je reviens exactement au même endroit là. Non. Oh, il y a peut-être un petit truc là quand même. Oh. Ah, je peux le prendre comme ça. Principe de l'or. Principe de l'ordre d'or. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre. Si c'est un livre, ça doit être dans les objets clés. Non. Là. À donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Halo de lumière de Radagon et décret de régression. Ok. Et là-bas, il y a un coffre, un truc du genre, attendez. Alors par contre, j'étais censé y aller comment ici? Attendez, je l'ai pas vu l'échelle. Ah non. Ah ok, d'accord. C'est un coffre, hein, ouais. Arc de l'arbre monde. Mais putain, on a des trucs qui ont l'air grave stylés. Arc long aux ornements évoquant l'arbre monde. Au temple, autant jadis qu'en bataille était synonyme de ferveur religieuse, cette arme fut créée pour décocher des flèches dorées. Puise dans la foi pour augmenter les dégâts de toutes les flèches, révèle son véritable potentiel lorsque vous décochez des projectiles imprégnés de sacré. Compétence tir puissant. Compétence d'archerie consistant à tenir l'arc en se courbant légèrement. Vous bandez votre arc au maximum, pour augmenter la puissance de votre tir et ainsi percer la garde des ennemis. Ah ouais. Ah mais en fait c'est tous les arcs qui ont ça. À part lui. Ok. Aim, je peux l'utiliser. Mais par contre il fait moins de dégâts. Mais il fait des dégâts sacrés. Alors que l'arc qu'on utilise actuellement, 80 plus 20. On a un arc à poulie aussi. Ouais, donc c'est plutôt équivalent. Il a plus de portée, il a un meilleur scaling. Ouais. Lui, 75-16. Ouais, c'est pas le meilleur. Et lui, il est pas trop mal parce qu'il fait 50 aussi. Mais il scale sur la foudre. Donc c'est pas. Non, c'est pas. On est bien avec notre arc aussi. Il est très bien notre arc. Pourquoi il y a des morts ici? Objet précieux droit devant. Alors le seul truc précieux que je vois c'est ma vie. J'ai pas envie de la perdre en sautant. Donc on va se calmer tout de suite le périnée. Ok. Alors par contre j'espère c'est que ce connard là, qu'on vient de tuer. Qu'on a tué ne reviendra pas. Hein. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Oh non, on voit rien. Comme ça, on est tranquille. Alors par contre, là... Oh ouais, mais non, on est à côté de l'arbre monde, là, en fait. Attendez, c'est quoi, les... Essayez verrouillage cible. Oui, c'est parce qu'il y a un mec. Oh, c'est un ninja! Thank you.
prendre une popo. Par contre, ils sont classe. Il est très classe, ce monstre. Il m'a pas donné d'âme, par contre. C'est un gros radin. Un radin classe. Mais un radin. Pour de la grâce. Oh, des... C'est quoi, des livres? Ah non. C'est des livres en pierre. Quel est donc... Ça, c'était pour un énorme fessier. Bénédiction de l'arbre monde. J'ai l'impression qu'on va avoir des dingueries là. Mais... Non, monter de niveau je ne peux pas, mais par contre on peut ajouter une dose. Nous avons 12 fioles. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Non. Mais 12 fioles quand même. Sans mémoriser, je pourrais rajouter. Non, coffre, non, rune majeure, on en a qu'une. Cendre de guerre. On pourrait mettre des cendres de guerre, mais Osef. Et ça modifier les vêtements, j'ai l'impression que c'est pour... Bah c'est pour, comment dire, faire une transmo, mais oula, c'est un boss ça. C'est pour faire une transmo. Et si invoquer quelqu'un, on n'a jamais fait avec quelqu'un. J'ai envie d'y croire moi. Multijoueur. Allez, je veux trouver un ami. Un ami qui saura me sauver la vie. Montre-toi. Oh ouais. Oh toi, t'as l'air énervé. Toi. Oh là, toi t'es... Non. Toi non. J'aime pas. Alors lui, je le veux. Il a l'air énervé. Mikasa. Impossible. Impossible. Non, invocation. Ah, ça a l'air de marcher. Donc j'ai invoqué l'homme mouche. Ah, il y avait une marque là aussi. J'aurais pu invoquer un homme pierre. Il vient le monsieur du coup là? Ah oui, doigt crochu. Hit. Ah mais attendez, je peux invoquer lui en même temps. Vas-y, je veux... Allez, go. J'ai un ami. Est-ce que je peux invoquer mes loups? Oh. Graceless, tarnished. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. Ok, c'est parti. Mon kiki.
Je vais décéder. Je suis tout seul. Il m'a abandonné. Oh, le fumier, il m'a abandonné. Tu ne m'as... Oh, je lui fais rien en dégâts, par contre. Bonjour. Ok. La musique. Je vais dedans. Je suis pas mort. Pas encore en tout cas. On est mort ? Pas encore, mais là on est mort. On est mort. Mais le monsieur, il m'a abandonné ! Il m'a abandonné ! Comment voulez-vous ? J'étais content d'avoir un copain, et le premier copain que j'ai, il me trahit. Par contre, la musique était somptueuse. 93 mois. Mais on met pas beaucoup de dégâts. C'est dingue, on met vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors j'aimerais bien voir un petit truc quand j'y suis. Est-ce que j'ai pas débloqué? Est-ce que j'ai pas eu une pierre de forge, par exemple 7 que j'aurais loupé, qui me permettrait d'améliorer mon arme, ou un truc du genre. J'ai envie de voir ça. Ah oui, puis l'autre, il s'est barré. Il a dit, je me casse, j'abandonne la table ronde. Et j'ai oublié son nom. C'est qui qu'on vient d'affronter déjà? J'ai complètement oublié. Du coup, j'ai plus rien, mais... Ok. Et toi aussi, je te reparle. Non. Tu as senti la curse. Apparently my seed bed is ripe and waiting. It was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Ah ouais, d'accord. Go and unshackle my corpse, trapped in the sewer jail. I can kill you. And if all you call, then the pox will true. Ok, donc là, en gros, le mec nous demande de le tuer. Michel, putain, allez vous faire enculer. Cordialement. Hein. Mais allez vous faire enculer quand même. Donc là, le mec demande qu'on le libère de sa malédiction, j'imagine. Et toi, je peux pas t'apprendre à étudier les incantations. Non, donc c'est pas à toi que je dois te donner ça. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit toujours les mêmes choses, là. Harmonisation. Là, j'ai toujours rien. Toi, papy. Oui. Je ne peux pas, je n'ai pas de truc 7. Dommage. J'ai plein de trucs. J'ai tellement d'armes. Mais c'est ça qui est ouf avec ce jeu. Avec ce jeu, c'est qu'on peut faire tellement de builds différents, il est tellement rejouable. En fait, parce qu'en cours, on a changé, on est passé sur une grosse épée parce qu'on a quand même quelque chose à compenser, mais en vrai, voilà quoi, c'est juste trop bien. Alors par contre, là, j'ai envie de... La rune de seigneur, là, ça me donne combien? Normalement, je peux vendre.
Si je vends. Non, non, pas trop. Je veux vendre. Le forgeron. On va retourner le voir. Le forgeron, je peux vendre à lui. Donc je vais voir combien de dames ça va me donner. Vendre. Combien tu donnes pour, par exemple, 40 000, hein. Oui, 40 000. Là, 50 000. 50 000, 20 000. Ça me fait un niveau. 10 000. Je n'ai pas pété un pont. Pas du tout. Regardez ça. Montée de niveau. 1, 2, 3. 3 niveaux. Voilà. On est bientôt niveau 100. Allez, on se refait un petit try sur ce mec. Et puis après, on se laissera. Alors, on va essayer de réinvoquer un ami. Ce serait sympa. On va essayer de revoir un pote. Et du coup, essayer de le poutrer. Parce qu'on n'a pas fait tant de try que ça, à part sur Margit, là. On a fait pas mal de try. Mais le reste, en vrai, des autres, ça a été un Godric, là. On a fait 3 try, 2 try. Radan 3 try, je crois, 3 ou 4. Donc en vrai, c'est loin d'être dégueu, hein. Alors, voyons voir. Monsieur, vous êtes un mage. Pourquoi pas? Vous êtes un mage. Alors lui, je l'aime bien. Impossible. Lui, je le veux pas. Lui, je le veux. C'est bon, il va venir. Ah mais lui c'est un allié qui est tout le temps là. Toi t'as un mage aussi. Ah mais du coup je pourrais... Ah non, j'ai chié dans la colle, on est d'accord là. Si j'invoque lui, je pourrais plus invoquer les autres. Ah si, je peux quand même. Booba. Salut. Captain Iglo. Il m'a dit que j'étais belle. C'est un ami. C'est un pote. C'est mon meilleur ami. Allez go, Captain Igloo. Viens. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ah ouais, il lui met déjà des tatanes à la magie. Faut que je lui reprenne l'aggro. Rien faire. J'arrive mon ami. Je suis là pour encaisser. Ne t'en fais pas mon ami. Non, il m'a abandonné.
Non, mon ami. Pourquoi je n'ai pas fui alors que je savais pertinemment que j'allais me faire OS ? Je ne sais pas. 94. Bon, eh bien, 94 morts. J'ai dit que c'était le dernier try de cette session. YouTube, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. On a bien avancé, on a quand même clean tout le château, enfin clean tout. Je ne sais pas, il y a encore certainement des choses à voir, à faire, mais on a quand même clean beaucoup de choses. On n'a pas fait ça, là, par contre. Ça, cette zone-là, on ne l'a pas fait. Mais on a fait quand même tout le reste, donc c'est pas trop mal. Donc il y aura la Vargram là, qui nous avait demandé ça. Et puis après, on a encore tout ça à voir. Peut-être encore des souterrains, je ne sais pas, parce que c'est vrai que... À part ces souterrains-là, là, possiblement, il pourrait y en avoir aussi. Là aussi, enfin voilà. Donc il reste encore pas mal de choses à découvrir, à voir. En tout cas, ce boss a l'air pas mal. Encore un petit gap à franchir en termes de pattern et tout. C'est un petit peu un mélange de Margit et de... d'autres trucs, d'autres mobs. Peut-être d'autres boss qu'on n'a pas encore affronté et qu'il fallait peut-être affronter entre-temps, je ne sais pas. Mais fort sympathique, cette zone était vraiment cool à explorer, labyrinthique et tout, mais pas trop gênant, on arrive quand même à s'y repérer rapidement, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, liker, t'abonner, tout ça, tu peux rejoindre Twitch, Discord, Twitter et Instagram en description. Tu as aussi mon lien Instant Gaming pour te procurer ce magnifique jeu, qui est incroyable quand même. Je te fais des gros bisous, et puis je te dis à la prochaine. Ciao !